T'as fini de t'énerver, hein? Oui, mettre ça. Va, c'est parti. C'est parti, mon kiki. T'as fini, ouais. De toute façon, moi je fais pas de duel parce que je suis sûr de gagner à chaque fois donc. C'est pas que je suis prétentieux, c'est que c'est la vérité tout simplement. Vérité vraie. Il est. C'est passé sur ta tête. Ça, ils ont pas repop ici? Non. Et notre voiture, elle est où au fait? Tiens, suis-moi. Elle est où? Oh, attends, on va prendre la caisse en fait. J'ai la flemme de marcher. Je sais pas, il y a une quête là-bas, je vais voir ce que c'est. Okay. Ah oui, je sais ce que c'est moi. Oh. Il y a une quête chronométrée et tout ici. De fou. Chronométrée. Ouais. Là, il faut falloir aller chercher des pièces détachées pour remettre en route l'électricité. Après, c'est Hôtel pièces. Happy Pig. Ouais. Cochon heureux quoi, l'hôtel. Ouais. Ah d'accord. C'est Ah, très joyeux. c'est. Ils sont sympas ici, hein, t'as vu? Ils sont gentils. Hein. Ouais, je fais. Hop. Ça, quand t'écrases des trucs, ça me donne des sous. Lecture du message enregistré. Ah, les sans-pitié nous font la peau. Fin du message enregistré. T'as trouvé le motel à Pipig? Ouais, les sans-pitié ont ravagé cet endroit après que Roland les a virés de Sanctuary. Tu pourras peut-être rétablir l'alimentation si tu réactives la pompe à vapeur. Hop. Quoi encore? La pompe à vapeur est en rade elle aussi? Je vois d'où ça vient. Et je vais y aller doucement pour que tu piges bien. Oui, pour des abrutis aussi. Elle est complètement déglinguée. Tu ferais mieux d'aller piocher des pièces de rechange sur les autres pompes près du motel. Bon, la valve dont on a besoin est juchée tout en haut de la pompe. Du coup, pour la choper, tu vas devoir grimper à ce truc comme un chimpanzé toxicomane défoncé au slag. Elle est trop bonne celle-là. Je savais pas que ça existait, des chimpanzés défoncés au slag, tu vois quoi. Ces pompes utilisaient une technologie différente, mais il y a eu des sauté plaques, sur le crâne, alors ils ont changé. Je t'aurais planté comme un clou. Il a fait du feu. Ah bah ils sont loin à arriver quand même. Pas si bien des gars qui arrivent, mais. Ah si, ils sont là. On va y aller en bagnole chercher le reste. Oh, on va les niquer quand même. Ouais. Surprise! Bon bah voilà, ça c'est fait. T'es où? T'es là. Ah, Iridium, Iridium, marche demi-tour. Iridium en haut. J'ai entendu, merci, je suis pas sûr. J'ai vu sauter le bordel. Waouh. Je suis prêt à te parier le rein qui me reste que tu peux trouver un condensateur. Allez, en état de marche. Chope le truc. Ouvre le boîtier électrique et prends le bidule. Il y a un peu du monde. Voilà. Hein.
monte dans le véhicule. Hein. Non, mais il faut les tuer parce qu'il y en a un qui l'a bouffé en fait, le truc. Et tu sais que je peux te voir en WC. Attends, je veux pas te mettre mal à l'aise, hein. Je te parle d'espionnage au WC en toute amitié. Ouais, enfin bref, branche-moi tout ce bazar. Toi qui l'a bouffé. Souvent c'est le dernier qu'on tue qui l'a. Donc c'est lui. C'est lui. Bon on l'a déjà le truc hein. C'est ça. Là, il est activé comme quoi on l'a. D'accord. J'ai dû le ramasser sans faire esprit. Enfin, sans le voir. Ces fichus Garogo adorent se loger dans les pompes. Tu ferais mieux d'exterminer celui-là pour récupérer l'élément dont t'as besoin. Trouver le boîtier de vitesse? Je te jure, ces machins-là, c'est le rugissement félin des contrées sauvages! C'est une expression du coin. Va le connecter au reste. Direct, t'as tout ce qu'il faut pour réparer cette pompe à vapeur. Branche-moi ces bitonios. Et le tableau des primes sera aussi remonté à bloc qu'un athlète olympique dopé dont les parents ont des attentes irréalistes. Oh bordel. Ouais j'ai encore l'arme de tout à l'heure hein, du coup. Ah, on est toujours pas retourné ouais, prendre la mission en même temps. Prendre la mission ouais. Ah ouais il va faire du boucan ce truc. La pompe est prête à fonctionner. Active-la et fais jaillir les étincelles. Le tableau des primes devrait être rechargé maintenant. Active-la et tu devrais avoir accès à un tas de nouveaux boulots. Ouais, le véhicule il a explosé. Secoue-toi les puces. Explosé ? Je me suis approché pour monter dedans, il a explosé. Hey toi ! Les sans pitié ont mutilé mon dernier facteur, dino ! Le PRS et Philippe s'est paqué assez vite. C'est celui-là au chronométré. Quand tu seras ok pour effectuer la livraison, oh fais chier, j'ai pas les trucs chronométrés moi. Ouais ça va vite. En fait c'est pas dur. Tu vas là-bas, tu les tues tous et après tu retournes et tu as juste à mettre les trucs dans les boîtes aux lettres. Juste des trucs à mettre dans les boîtes aux lettres. Mais à deux ça va super vite en fait. C'est quand t'es tout seul que c'est chiant. Parfait. Ouais, pour quand je l'ai fait tout seul en fait j'ai été là-bas, j'ai tout tué. Et après j'ai juste eu à mettre. Tu te prépares, ça va être à droite. Tu vas devoir partir sur la droite en fait. Bon, on a du temps quand même. Une 30, c'est faisable. Ego, roule. T'es où? Droite. Droite. C'est là en bas. Non mais pas dans l'eau. Pas dans l'eau. C'était de la flotte. Eh, hey, on craint pas, hein. Vas-y. Essaye de sauter sur la barque ou saute sur le véhicule. Ça marche. Non, je me charge des boîtes aux lettres, tu te charges des gars. Ouais. Je pilonne de là. Il essaye de faire des boîtes aux lettres aussi. Oh putain, il est venu. Il m'a fait tomber dans l'eau. Je crois que ça va être mort. C'est bon, je l'ai désossé. Non, mais il y a du monde partout. Faut que je me rappelle où sont les boîtes aux lettres en plus. C'est indiqué, hein.
Bah ouais, mais il faut monter, descendre et tout ça. Truc de fou, quoi. Oh, je vais faire ça là tout au bout. Machine de mort. C'est bon. Il nous reste 50 secondes. Là, j'en ai fait une. Et il en reste une à faire. Celle-là, elle est. Et en dessous. C'est bon. Bonjour, votre bateau est arrivé. Je suis là. Oh mais attends, il y a des mecs à tuer. Parce que bon, c'est pas que t'avais crevé, mais. Ouais, je crois que le ménage était fait. S'il vous plaît. Attends, j'ai du jet ski. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Oh, c'était chronométré, mais ça va quoi. Il y a une note chronométrée, elle est pire. Avec Mylan, on l'a fait au moins en 5 ou 6 fois. Tu veux quoi? Hein? L'arme ça coûte plus cher à Armand. Y a encore des quêtes ou quoi? Quêtes. Oh ouais, y a plus de quêtes. Y'a rien d'avoir. On va faire celle du faucon ardent là. Si tu veux, ouais. Bah, c'est la seule qui nous reste. Hein, donc, Ok. Tu crois que ça passe par là? Pas sûr. Oh, si, ça va. Nous sommes arrivés à destination. Coucou, c'est nous. Dans ta tête. Ah, oui, c'est vrai, il y a les mecs qui craignent pas. Ah oh, putain, j'ai fait pratiquement pas de dégâts. Ça brûle. Waouh, notre voiture elle a explosé. Ouais, bah ils vont défoncer. Ça, je leur fais pratiquement pas de dégâts moi. Peut-être c'est une arme incendiaire que t'as, c'est pour ça. Ouais. Ça, c'est pour moi. Fais bordel. Merde. Et je vais prendre mon flingue, c'est explosif mon flingue. T'as sorti le robot pile au moment où j'avais tout buté. T'sais. Ah mais j'ai depuis le début hein, j'ai sorti. Ah depuis le début il est sorti le robot.